C'est la double croche. Je vais venir avec Figusa qui c'est là. Double croche. La double croche. Donc depuis moi Figusa, je dis que ça, c'est en double croche. La double croche. La double croche. C'est en noir suivi de deux crochets. Ok, et une noire suivi de deux crochets. Ok, la double couche. Double couche, on va représenter moitié couche. Donc si c'est moitié couche, moitié de 1/2, c'est un quart. Un quart de temps. Un quart de temps. Un quart de temps, ça a une valeur réelle. C'est un quart de seconde, si et seulement si mouvement métronomique là, ici en noir égale à 60. Ok, pas oublier ça. Un quart de seconde. Un quart de seconde. Ok. Un quart de seconde. Ok. Qui ça veut dire, donc si c'est un quart de seconde, donc j'ai besoin de deux couches, deux battements, puis en seconde avec crochet, crochet représenté moitié en noir, c'était demi-temps, ok, puisque double crochet va nous représenter un quart de temps, donc un quart de temps de la noire, parce que nous disons tout à l'heure, tout va se faire en fonction de la noire, parce que la noire c'est l'unité de mesure pour mesurer les sons. Pour mesurer le son dans la musique, ok? Parce que tout fonctionne de la noire, parce que tout se fait en fonction de la noire. La noire, c'est l'unité de mesure. Même genre, mètre, c'est l'unité de mesure, la mesure de longueur. Gramme, c'est l'unité de mesure, la mesure de poids, ok? Donc la noire, c'est l'unité de mesure pour mesurer les sons dans la musique. Ok. Ok, donc pour nous, là, on a besoin de 4 doubles couches. Donc, double couche, c'est un quart du temps de la noire. Un quart du temps de la noire. Ok, donc c'est un son qui a duré un quart de seconde. Un quart de seconde. Un quart de seconde. Un quart de seconde. Si c'est un son qui a duré un quart de seconde, donc ça veut dire qu'on a besoin de 4 lui-même en seconde. 4 battements non en seconde. Double couche à lui-même, c'est 4 battements non en seconde. Couche à lui-même, c'est 2 battements non en seconde. Noir à lui-même, c'est 1 battement non en seconde. 1 battement qui a duré 1 seconde. 1 touché qui a duré 1 seconde. Ça, c'est 2 touchés. Couche à c'est 2 touchés non en seconde à valeur réelle. Donc, côté 1 chaque a duré moitié en seconde. Et double couche à lui-même, c'est 4 battements non en seconde. Côté que chaque figure, chaque toucher a duré un quart de seconde. Ok? Un quart de seconde. Ok? Et blanche lui-même, c'est un battement qui a duré 2 secondes. Blanche, c'est un toucher qui a duré 2 secondes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, ok, c'est un battement qui a duré 4 secondes. 3, 4, un battement qui a duré 2 secondes. 1, 2, ça c'est un battement qui a duré 1 seconde. 1, ouais, ok, ça lui-même, c'est 2 battements pour un temps de la noire. 2 battements en seconde. Les mois, il y a 2 couches. Ok, il faut que j'ai 2 couches parce que ça lui-même, c'est moitié de noir. Ok, nous allons faire tout à l'heure. Ok. Et
Si bien deux couches. En seconde. Seconde. 2, 3, 4. Ça c'est seconde là. Allez, seconde là. Ok. Deux battements en seconde. Deux battements en seconde. Deux battements en seconde. 1 et 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 1 et. Ça c'est deux couches. Deux couches dans une seconde. Ok, donc chaque compteur de vieux en seconde, même il y a deux battements qui passent en seconde. Ça c'est deux couches. Ok, ça c'est l'aime deux couches. Ok, ok. L'aime bien deux couches. C'est deux couches par seconde. 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 Ok. Et là, les mêmes, c'est quatre battements. Dans une seconde, 4 battements dans une seconde, laisse ça m'a bien 4 doubles couches. Vous voyez que 4 doubles couches, une devant, une derrière, 4, 4 figures ça une. Une après l'autre. Qui va faire que j'ai 4 battements dans une seconde. Mais pour 4 battements dans une seconde. 4 battements dans une seconde. Une seconde là. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, ça c'est seconde, hein, mes battements. Ouais, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça fait l'air, nous tendons une musique que je vite. D'ailleurs, une musique que je vite. Donc, puis faut notre lap faire, pas à pas. Vite, ouais, en pile vitesse, notre job passe rapide pendant que le battement a pas aller là. Donc, c'est de double couche qui a passé, de couche qui a passé, avec de triple couche tout qui a passé. Donc, triple couche, c'est notre valeur qui est plus petit, et double couche que nous parlons. Ok? Donc, ça est vraiment important pour connaître, pour comprendre. On a fait ça. On a lancé un battement qui a duré 4 secondes. Et un battement qui a duré 4 secondes. Je vais appuyer une seule fois, mais je m'attends 4 secondes pour me lever même. Je vais me toucher une seule fois, mais je m'attends 4 secondes pour me lever droitement. Ok? Quitte c'est pour quel que soit instrument lié, quitte c'est pour piano, guitare, basse, quel que soit instrument. Et puis c'est on, la durée. M'a pleuvé doucement, m'a frappé une fois, m'a frappé une fois, mais m'attend 4 secondes passées pour me retirer, pour me couper son. Ok? Parmi 1 égale à 4 secondes, si seulement si, il y a un nouveau méthode dans mes clans, qui c'est en noir égal à 60. Ça, c'est pas bagaille pour une jambe liée. Ok? C'est un peu le monde qui toujours enseigne musique, toujours dit que la onde égale à 4 temps. Mais 4 temps, ça est comme si il n'y avait pas une valeur réelle. 4 temps, il y a une valeur réelle en temps normal. Valeur réelle, 4 temps en temps normal. C'est le mouvement métronomique qui a défini. Ok? Ok? Il y a un battement pendant 4 secondes. Mais secondes, même à faire battement. Ok? Même à faire battement. 3, 4 battements. 1, 2, 3, 4, ouais, you want 1, 2, 3, 4, je touche son, une fois, je vais compter 4 secondes pour me lever même, pour me couper son. Et là, je vais frapper même une fois, et m'a quitté 2 secondes passées pour me couper son. Ok? Blanche, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ça c'est la blanche. 1, 2, 1, 2, ok. La noire, si j'ai 4 noirs, dans 4 secondes, ok, donc même à frapper chaque fois à chaque seconde. Parce que valeur en noir, c'est en seconde. Chaque fois que je figure là, ok, il va dire que durée sans ça. Dis-moi en noir avec mouvement métronomique. Là, il dit durée sans ça
C'est une seconde. OK. Là, il y a 4 noirs. Hein? 4 noirs dans 4 secondes. 4 secondes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK. Là, il y a 8 couches. 8 couches pour 4 secondes. 8 couches pour 4 secondes. 8 couches pour 4 secondes, ça veut dire que je vais 2 couches à chaque seconde. 2 couches à chaque seconde. Ok? Mais ça va 2, 3, 4, 8 couches. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Ok? Là, je vais 8 couches dans 4 secondes. Côté que je vais 2 couches par seconde. Pas bien musique là, c'est battement, c'est toucher, toucher qui ça, toucher qui son et qui durer sans quoi toucher. Des pour capable associer ça, ou capable harmoniser ça ensemble. Donc, pour qu'à jouer un paquet, pour qu'à exécuter un paquet de partitions. Ok? Pour qu'à exécuter, pour qu'à écrire sans problème. Ok? Et double couche à lui-même, c'est 4 battements. Dans une seconde, c'est un quart de seconde, donc c'est 4 battements pour une seconde. Un quart, c'est 4 pour une. 4 pour une, hein? 4 pour une tendue la noire. 4 pour une tendue la noire. Une tendue la noire, c'est une seconde. Mais ma bien 4 doubles couches, kabam, valeur une tendue la noire. Ok? Donc c'est 4 battements. Non, c'est 4 battements. Non, une seconde. Une seconde, yo. 1, 2, 3, 4. Tita, c'est deux doubles couches de double couche. Tita, c'est deux doubles couches de double couche. OK? OK? Donc, c'est 4 battements dans une seconde. 4 battements dans une seconde. Donc, pour 4 secondes, je vais 16 battements pour 4 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 3. À valeur réelle. À valeur exacte. Pas qu'il y a un truc qui l'on passe là. OK? Donc, c'est vraiment important pour nous comprendre ça. C'est ça qui va permettre que les petits morceaux qui sont plus faciles, nous commençons à exécuter dans un coup de temps. Nous commençons à écrire dans un coup de temps. OK? Et nous te dit, nous pouvons le faire, nous pouvons nous trouver côté que si le mouvement autonomique va changer. OK? Si vous voulez métronomique changer, si vous voulez métronomique changer, donc on a imaginé que vous voulez métronomique là, il a changé côté que ça c'est un droit égal à 120, un droit égal à 60, c'est un droit égal à 60. Et là, mouvement métronomique, on a changé. Ici, mon noir vient égal à 120. Et on a égal à 120, il dit que c'est 120 battements qui ont passé dans une minute. 120 battements de noir qui ont passé dans une minute. Si 120 battements ont passé dans une minute, si 120 battements ont passé dans une minute, donc on va gagner 2 battements par seconde. Donc c'est 120 divisé par 60. Il y a une minute égale à 60 secondes. Donc, c'est 120 divisé par 60, il faut au moins 2 battements par seconde. 2 battements à chaque seconde. Ok, si il y a 2 battements par seconde, donc, durée un battement
là, on égale à demi seconde. Il y a noir, 60 battements, c'est 120 battements par minute. Côté que, il y a 120 noirs qui passent dans une minute. Donc, chaque fois que j'ai 120 noirs, j'ai une minute. Chaque fois que j'ai 120 noirs, j'ai une minute. Ok? Donc, il y a noir pour égale à demi seconde. Ok? Il y a noir pour égale à demi seconde. Ok? Là, vous regardez là, vous voyez. Il y a noir égale à demi seconde. Si il y a noir égale à demi seconde. Et on blanche qui c'est deux fois de la noire. Noir là, pour l'égal à. Blanche en pour l'égal à une seconde. Blanche en égal à. Blanche en égal à. Blanche en égal à une seconde. Une seconde. Et on a. On a c'est deux fois de la blanche, quatre fois la noire. Ok? Quatre fois demi, on égale à deux. Deux secondes. Deux fois un, deux. Ok? Quatre fois un demi, deux. Ok? Ok? Parce que valeur, ça va pas prêter et apprêter et changer. Ok? One land toujours été unité. Je viens à one land toujours égal à. C'est yon one. Yon one. Yon one. Et ma besoin de blanches pour yon one. Deux blanches pour yon one. Deux fois des quatre. Et là, ma besoin quatre noirs pour yon one. Quatre noirs pour yon one. C'est quatre fois un, quatre. Et là, ma besoin huit. Huit fois un demi, quatre. Voilà. Il faut un demi 4 et là même besoin qui ça double couche la double couche la double couche double couche on a besoin 16 pour 4 16 par un quart à bon 4. Donc, ma besoin 16 pour yon won, ma besoin 8 poches pour yon won, ma besoin 4 noirs pour yon won, ma besoin 2 blanches pour yon won. Ok? En aller. Là, si mon là, tu es égal à une demi-seconde parce que mouvement métronomique a été changé deux fois plus long, deux fois plus, ça veut dire, pas deux fois plus long, mais deux fois plus, ça veut dire, musique a été plus rapide. Parce que là, on musique une plus rapide, là, on musique joue vite, ça peut le passer musical. Est-ce qu'il a fini plus vite ou bien la prend plus de temps pour le finir? Est-ce qu'il a plus courte ou bien la plus longue? Là, on musique joue vite, il plus courte. Ok? Donc, c'est le même genre avec une machine. Une machine qui a couru à 100 km/h. Ok? Avec yon, l'autre machine qui court à 50 km/h, donc ça court à 100 km/h là, donc la privé plus vite. Ok? Donc c'est la privé dans un même temps, donc l'autre ça qui court à 50 km/h là, 50 km/h, ok? Donc les mêmes, la besoin pour faire 100 km, la besoin de 2 temps, donc ça veut dire prend plus de temps. Mais c'est le même genre. Il y a une musique qui joue vite, la musique qui joue vite, dure, vient plus courte. Ok? Nous pouvons montrer ça là. La musique qui joue lent, ok? Dure, plus long. La musique joue vite, dure, vient plus courte. L'aile joue lent, ok? Dure, vient plus long. Donc, tant que le mouvement métronomique là a descendu, a diminué, donc, la musique là a joué. Plus là. Maintenant, mouvement métronomique dans la pour augmenter, la plus, ouais, la moins, la descend à moins 60, ben 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 50, 51, 50, jusqu'à 45. Ok, laissez la musique
Comme ça, quand la dégradé, vitesse a dégradé, la vine plus longue tout. Ok? N'avons-le là. N'avons-le là. Si on doit égal à une demi-seconde, et coche là. Coche là. Voilà, égal à. Moitié et demi. Un quart de seconde. Ok? Coche à quoi un quart de seconde? Si coche à égal à un quart de seconde, les mouvements métronomiques sont égal à 120. Les mouvements métronomiques égal à 120, coche égal à un quart de seconde. Ok? Et double coche à. Double coche va égal à une huitième de seconde. Ok? Donc, on a besoin d'une double couche dans la seconde. Une double couche dans la seconde avec vitesse A. On a besoin de 4 couches dans la seconde. 4 couches dans la seconde avec vitesse A. On a besoin de 2 noirs dans la seconde avec vitesse A. Là, on a besoin d'une blanche qui a duré en seconde. Et là, on a besoin d'une ronde qui a égal à 2 secondes. Ok, parce que qui ça, peut-être qui ça, parce que vitesse là, mouvement métronomique là, il change vitesse. Fabien, mouvement métronomique là, il représente vitesse morceau à toi. Le mouvement métronomique, c'est la vitesse du morceau, il représente la vitesse du morceau. Ok, si le morceau allait vite, s'il allait là. Ok, et ça faut voir le pied devant, nous parlons tout ça. Pour chaque mouvement métronomique, il y a une expression italienne attribuée à eux-mêmes. Et des fois, n'importe où, il n'y a pas écrit, il n'y a pas bon mouvement métronomique là, mais il y a écrit expression italienne. Ça veut dire qu'on a expression italienne, yo, et puis l'OL pour qu'on ait à qui mouvement métronomique lui attribue. Ok? On voit le bon exemple. Un morceau et qui est long avec un morceau qui est court. Ok, on avait suivi ça. Ok, pas oublier, c'est un partage avec vous. Ça nous connaît. Et même si nous ne connaissons pas grand chose, même si ça nous connaît, on a partagé ensemble avec vous qui permet que vous jouez keyboard, vous jouez piano, vous jouez guitare, dans un coup de temps. Ou bien on fait choral tout dans un coup de temps. Ok? On est capable de faire choral dans un coup de temps. Pour la capilla, faire harmonisation, ok, arrangement voix, on va apprendre à faire ça. Ok, imaginons que nous gagnons un morceau. Le morceau qui gagne 120 noirs. Morceau A. Le morceau de 120 noirs. 120 noirs. Si nous gagnons un morceau de 120 noirs, qui peut aller à vitesse ça, côté mes mouvements métronomiques là. Mouvement métronomique là, il est égal à 60. Il y a un noir égal à 60. Là, il y a 0 secondes. Et là, combien de secondes il y a? Ok? Là, c'est moitié. Et là, c'est moitié. Hein? Ok? Si. Les millions noirs, 60 noirs par minute. 60 noirs par minute, 60 noirs par minute, ça veut dire chaque fois que j'ai 60 noirs, j'ai une minute. Mais si j'ai 120 noirs, combien de minutes j'ai gagné? Si, parce que mon métronomique dit c'est 60 battements de noirs par minute. 60 battements par minute. Là, ça c'est 60 battements par minute. Donc chaque fois que j'ai 60 noirs, j'ai gagné une minute. Mais mon soir même, en soi. Il y a 120 noirs là-dedans. Ça fait un pile de morceaux à écrit depuis à terre, depuis la conception musicale, au cas où déterminé durée de. Au cas où qui dure morceau ça, la pied. Ok? Si c'est 3 minutes, si c'est 2 minutes, si c'est 4, si c'est 5 minutes. Ok? Vous êtes capable de calculer ça. Mais pour calculer ça, il faut avoir un mouvement métronomique là. Et puis il faut avoir une quantité noire. Que morceau ça il y a là-dedans. Ça fait un morceau à 120 noirs qui dit que et
Imaginons ça, c'est 60 noirs. Chaque fois que j'ai 60 noirs, même une minute. Ok? Si j'ai 120 noirs là, je vais gagner combien de minutes? Je vais gagner. Chaque fois que j'ai 60 noirs, je vais une minute. Allez. Une minute. Ok? À 120 noirs, là, je vais gagner 2 minutes. Ok? Donc, le morceau de 120 noirs a raison de 60 noirs par minute. Donc, la pégale à 2 minutes. Donc, durée morceau ça, durée exacte morceau ça, c'est 2 minutes. Mais si je mets un morceau, même morceau ça, si je prends même morceau ça, mouvement métronomique n'a pas changé. Même morceau ça, mouvement métronomique n'a pas changé. Mouvement métronomique n'a pas venu égal à 120. Si vous voulez métronomique, vous égal à 120. Là. Ok. Vous voulez égal à 120. Vous voulez métronomique, vous égal à 120. Qui va durer le morceau ça? Si vous voulez métronomique, vous égal à 120, qui ça le dit? Chaque fois que j'ai 120 noirs, je gagne. Chaque fois que j'ai 120 noirs, je gagne 10 ça. Je gagne une minute. C'est 120 battements par minute. C'est 120 battements par minute. Donc, si c'est chaque fois que j'ai 120 battements, 120 noirs, je gagne une minute. Donc, chaque fois que j'ai 60, je gagne qui ça? Je gagne. Chaque fois que j'ai 60, je gagne. Si j'ai 120, je gagne une minute. Chaque fois que j'ai 60, je gagne 30 secondes. Ok? Chaque fois que j'ai 60, je gagne 30 secondes. Ok? Qui dure mon sous ça? Mais moitié-li, dit que 620 noirs égale 1 minute, moitié-li c'est 60 noirs. Moitié de 6 c'est 60 points. La bigala. La visa. 30 secondes. 30 secondes. Donc 120 noirs. Voilà, là. 1 minute. Voilà. 120 noirs là égale à 1 minute. Donc c'est toujours 120 noirs, mais malheureusement. Et valeur chaque noyau vient diminuer parce que là. Notre tableau tout à l'heure, les gains noirs égal à 120. Donc chaque noyau pour être égal à moitié en seconde. Ok? Moitié en seconde. Ok? Donc les bons morceaux de 120 noirs, à vitesse de 120 noirs par minute. Donc, ils disent que chaque fois que 120 noirs, c'est en minute. Donc, morceau ça, il dure en minute. Parce que vitesse à deux fois plus qu'il soit ça. Ok? Ok? Donc, morceau ça, vinaigre là, yon minute. Morceau ça, c'est toujours même morceau. Et le fait que vitesse a changé, ça passe. Dieu a une picoute. Dieu a une picoute. Ok? Parce que vitesse a changé. Vitesse a augmenté deux fois plus. Et vitesse a augmenté deux fois plus. Donc, diminué de moitié. Ok? Ok, et là, où est là, yon noir égal à 60, yon noir égal à 60, c'est 60 battements par minute, donc j'avais dit chaque fois que j'ai 60 noirs, ma première minute, à 60 noirs, la première minute, à 120 là, noirs là, moins bien 2 minutes, j'avais dit mon soir là, à vitesse ça, la vitesse durée 2 minutes, à 60, yon noir égal à 60, les noirs là, ils passent égal à 120, à vitesse ça là, mon soir d'une durée d'une minute. Ok? Et vous capable d'essayer de faire ça, faites exercice à la carrière. Ok? Faites exercice à vous, mais pas aller avec chiffre qui. Et aller avec chiffre qui perd. Ok? Chiffre qui perd. Ok, ou bien vous pouvez aller à des multiples de 10,
Ok, il y a de 10 pour le morceau qui gagne 240 noir. Ok, le morceau qui gagne 70, 80. Ok, mais toujours à vitesse ça. 80 noir, mais toujours à vitesse 60 ou bien 120. Ok, là nous pouvons capable changer. Nous pouvons changer vitesse ça. Nous pouvons changer vitesse ça. Ok, parce que vitesse ça capable n'importe. Il est capable 68, il est capable 70, 72. Il est capable 80, il est capable 90. Ok, parce que vitesse ça pas obligatoirement était à 60 ou bien 120. Non, jamais. Il est capable plus petit que 60, il est capable plus plus. N'importe moment. Il est capable de prendre. Ok, il est capable de prendre. Ok. Et nous allons faire un petit exercice pour finir. Mais si vous voulez, ou même au café, un petit exercice à la carou. Ok. Essayez de déterminer durée en morceau. Ok. Vous pouvez faire ça. Ok. Si nous avons un morceau de 24 mois. Un morceau de 48 noir. Un morceau qui a 48 noir là-dedans. Côté de vitesse, ça. Il y en a égal à 60. Il y en a égal à 60, il dit qu'il y a 60 battements de noir par minute. Ça veut dire qu'il dit tout, si on noir, par seconde. Un noir par seconde, c'est ça qu'il dit. Un noir par seconde, il dit chaque fois que je noir, je seconde. Ok? Le nom égale à 60, il dit chaque fois que mon nom est seconde. Ou bien chaque fois que 60 noirs, je gagne 9 minutes. Si mon morceau de 48 noirs, le morceau de 48 noirs. Ok, 48 noirs. Côté chaque noir égale à 1 seconde, le morceau de 48 noirs. Je vais égale à 48. 48 noirs. Je vais égale à 48 secondes. Durée, c'est 48 secondes parce que chaque fois que mon noir. Oui, une seconde. Si mes morceaux de 48 noirs, ça, ils passent à vitesse, ça, le noir égale à 60. Le noir égale à 120, pas 60. Le noir égale à 120. Côté que, à vitesse, ça, il dit que chaque fois que j'ai un noir, chaque fois que j'ai un noir, je vais bien demi-seconde. Le noir, chaque demi-seconde. En demi-seconde. Donc, valeur en noir là, c'est demi-seconde. Ok? Si on noir égale à demi-seconde, même des 48 noirs. 48 noirs. Ok? Si 48 noirs par un demi, 48 noirs par un demi, la brigade avec ça. Même toujours 48 noirs là, parce que ça ne peut pas changer. Morceau ne peut pas changer. Ok? Figure ne peut pas changer. Ok, mais valeur a changé. Ok, mais quand tu prends chaque noir égale à demi seconde, c'est quand tu prends un demi. Quand tu prends un demi, égale à 24. Ok, du morceau ça là, même morceau, égale à 24 secondes. Ok. Pas dit musique c'est mathématique, c'est pure mathématique, c'est mathématique exacte. Parce que musique c'est un sens exact lié. Ok, c'est un sens exact. Ok, c'est une science objective. C'est une science objective. Ok, c'est une science exacte. C'est une science rationnelle. Sauf faire, c'est lui ou après. Ça, il y a écrit, c'est lui ou après interpréter. Si on interprète un autre bagaille, on interprète un autre bagaille, on fait un autre bagaille, mais c'est pas ça qui est pour faire. Ok, et ça fait, là où on a composé une musique, ou bien on a écrit un pattern ou bien écrit une phrase musicale, ok, ou bien une phrase de transition dans la musique, ok, dans l'arrangement musical. Si c'est pour trompette, sax, le trombone, bien pour l'ivant avec lui, donc il faut écrire bien, parce que si on écrit assez vite, il y a interprété. Ça fait l'Europe, regardez l'orchestre philharmonique, regardez tout le monde avec participer devant eux. Donc ça, il faut faire, c'est lui qui a fait. Et c'est ça quoi, bah, toute beauté. Soit attendez. Donc, ce n'est pas chaque monde fait ça ou voulez, mais chaque monde fait ça, you by you faire. Ok? Ça qui est écrit. Ok? Donc, ça, c'est science musicale, ça.
Ok. Nous pouvons camper là. Nous pouvons camper là. Avec petit exercice ça. Petit exercice ça. Ok. Nous connaissons un one. Yon one, c'est un battement qui dure 4 secondes. Donc, j'ai besoin de deux blanches. J'ai besoin de deux blanches. J'ai besoin de deux blanches. Pour 4 secondes. J'ai besoin de 4 noirs. Si je bâche, ce n'est pas blanche, ça, c'est pas noir. Si je bâche, c'est blanche. Là, je bâche, c'est blanche. Mais là, je bâche, ça veut dire tête remplie. Et aussi, la noir. Je fais maintenant. Couche. Pas besoin, 8 couches. Pouillon. Pour 4 noirs. Et Guéon, qui dit dans la musique là, il y a plusieurs courses qui disent suivre. Il y a une théorie qui dit dans la musique là. La théorie musicale là, il y a une écriture musicale là, il y a plusieurs courses. Parce que les courses, il faut qu'il y ait assuré tout. Les courses, il faut qu'il y ait assuré. Les courses, il faut qu'il y ait assuré. Si on va assurer, il n'y a pas de courses. Couche, il m'a fait couche. Il dit, bien, on l'écriture musicale là. Il dit que les deux couches se suivent. Ok, on remplace les barres, les crochets par des barres. On remplace les crochets par des barres. Donc là, bien, deux couches là. Ça, c'est une couche. Ça, c'est une couche. Ok, ça, c'est une couche. Ça, c'est une couche. Allez, on va cocher ça plus belle, plus bien. Ok, même écrit du musical là, il faut que nous fassions bien. Il faut nous apprendre à écrire notre ou bien figure bien. Ok, ok. Deux couches, là. Deux couches, je dis les deux couches se suivent, les deux couches, là c'est une après l'autre, les deux couches se suivent, ils ont remplacé les deux couches se suivent, ils ont remplacé les couches par des barres pour relier entre eux-mêmes, ok? Ok, couches ça. Remplacer par un bar qui va lier tous les deux ensemble. Okay? Même bar que vous êtes le premier, même bar que vous êtes le deuxième, là, tous les deux vous croisez ensemble. Là, là il y a deux couches. Là, il y a deux couches. Si c'est une double couche, si c'est une double couche avec une couche, une couche, une double couche avec une couche, donc première, ok, la gaine du bas, deuxième là, la gaine, non seul, deuxième là, pas gaine vers l'arrière, mais plutôt la première avec première, ok, pas oublier, c'est pour couche, ni couche, ni double couche, surtout les deux assurés. On a de la couche. La couche. Parce que deuxième, c'est une couche. Il vient avec première. La couche. Mais là, première, c'est en double couche. On va couvrir au milieu. Ok. Donc ça dit que là, il y a une double couche. Il y a une couche. L'exécution est notre ça.
L'exécution sont ça. Bien, on double couche avec une couche. Ok. Si je viens bien deux doubles couches, il y a deux doubles couches, donc on a tout fini de ça parce que ça, c'est double couche. Ok. Mais si là, la gagne en couche, donc couche en double couche, là, on peut tirer ça là. Peut-être ça arrive au milieu. Et il dit que première son proche, deuxième là, c'est un double proche. Ok? La puissance là, bien 8 proches. Après, 2, 1, 2. Ça, c'est bon. Et. Ok. C'est deux proches par temps. Deux proches à chaque seconde. Ok? Deux proches à chaque seconde. Ok. On va aller là. Pour double couche, on va aller bien. On va le tenir là. On a seulement fait cet exercice là. Double couche, allez bien. C'est qui ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Top, c'est top, c'est bon, c'est top. On va une double couche avec un peu plus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. 4 double couches, on va dire 4 double couches, après on est entré au milieu. C'est 4 double couches. Quand tu veux coucher pour mettre tout le même. Ok. Quand tu veux coucher. Quand tu veux coucher pour mettre tout le même. C'est quand tu veux coucher. Quand tu veux coucher pour mettre tout le même. C'est quand tu veux coucher. Double couche rien tout le même. Ainsi, 4 double couches. Ok? Ça, on va laisser un exercice rythmique. Ça, c'est un exercice rythmique. Ok? Exercice rythmique. Ok. Le point numéro 0, c'est 4 secondes. C'est 1 qui a duré 4 secondes. 1, 2, 3, 4. 2 branches dans 4 secondes, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 4. 1, 4. Ok. Voilà. 1. 2, 3, 4, ok, ok, vous connaissez que c'est 4 double couches pour un temps, 4 double couches pour un temps, ok, on va le frapper, on va regarder qui est-ce qu'a frappé là, qui figure qu'a frappé là ou qui tant qu'a frappé, on va souligner tant qu'a frappé là, un a frappé, parce que c'est un battement qui a duré 4 secondes. Première frappé, il a allongé sur tout, ni 2, ni 3, ni 4. Ok, sont prolongés sur 2, 3, 4. La frappé une seule fois, ils sont prolongés sur 2, 3, 4. De ça, la frappé une seule fois, sont prolongés sur 2. La frappé une seule fois, sont prolongés sur 4 là. Ça, même la frappé, ça a frappé, ça a frappé, ça a frappé. Ça a frappé, ça a frappé. Parce que chaque fois qu'il y a une tête de note, chaque fois que j'ai une tête de note, donc j'ai un touché, j'ai un battement. Chaque fois que j'ai une tête de note, j'ai un touché ou un battement. Il faut frapper, ok? Ça va frapper. Ça tourne. Chaque fois que j'ai un touché, tout a frappé. Ouais? Tout ça net a frappé. Ouais? Tout ça net a frappé.
Nous allons frapper là. Ok. 1, 2, 3, 4. Un battement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Voilà. Après qu'on compte une fois, il y a un battement qui a duré 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Ok? Nous, là, dans le premier, on sait le battement. Sans tout qu'il y ait, prolongé sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Sans prolonger sur 4 temps. Ok, ça c'est 1, 2, ouais, sans prolonger sur 2A. 2, ça va sans prolonger sur 4 là. 3, 4. Mais il faut me couper là, depuis que je suis là. 1, 2, son forme moins frappée là qu'on a. 1, 2, 3, 4. Ok? Et là, nous trouvons que là, chaque son yo, avec noyau, c'est un battement à chaque temps. Yo. Là, lui-même, c'est deux battements par seconde ou bien par temps. Par seconde ou bien par temps. Ok? Là, lui-même, c'est deux battements à chaque seconde. Deux battements à chaque seconde. Dans le même, c'est quatre battements à chaque seconde. Quatre battements à chaque seconde. Ok? En résumé, nous pouvons dire que, et comme définition, la musique, en définition, La musique c'est là de combiner l'art de combiner les sons au cours du temps, au cours du temps, ok. On va toujours mettre la décomposition d'une manière agréable au cours du temps, ok. La décomposition d'une manière agréable à l'oreille. Agréable à l'oreille. De manière agréable à l'oreille. Au cours du temps. Au cours du temps. Pour donner du rythme. De la mélodie et l'harmonie. Ok? Pour donner du rythme au cours du temps, pour donner du rythme de la mélodie et de l'harmonie, et l'harmonie. Ok, donc ça, c'est définition et exact pour la musique. Et la musique, c'est la science des sons combinés avec soin. Ok, c'est l'art de combiner les sons, mais c'est la science des sons combinés avec soin.
Ok. C'est la science des sons combinés avec soin d'une manière agréable à l'oreille. C'est la science des sons. Mettez la science. C'est la science des sons combinés avec soin. Ok. Combiner avec soin, de manière agréable à l'oreille, au cours du temps, pour donner du rythme, de la mélodie et de l'harmonie. Ça, c'est la définition, scientifique. La musique, c'est la science des sons, combinée avec soin d'une manière agréable à l'oreille, au cours du temps pour donner du rythme, de la mélodie et l'harmonie. Et c'est ça pour voir que chaque son qu'on obtient de nous, nous tous gagnons une fréquence. Une fréquence par rapport aux 7 notes de la musique, aux 7 sons de la musique. Donc c'était un plaisir de vous être ensemble avec vous.